Il est souvent assez pénible de réaliser un trou dans du métal ou de l'acier. Cela est fastidieux et assez dur pour la mèche. On réalise donc le perçage d'un métal en deux étapes. On choisit tout d'abord un foret de taille moyenne par rapport au trou que l'on souhaite effectuer, trou final bien sûr. On s'assure que la visseuse est sur le bon mode. On va stabiliser notre pièce à percer. Ici, nous la bloquons dans un étau. Si vous avez un poinçon, vous pourrez réaliser un petit coup de poinçon pour faire une marque repère sur votre pièce de métal et la percer. On va donc ne pas appuyer sur la mèche et la laisser faire des copeaux et s'insérer tranquillement dans le métal. Une fois votre premier trou réalisé, vous prendrez une nouvelle mèche qui sera la mèche qui vous donnera le trou définitif à la taille finale que vous désirez. Vous pourrez constater que le perçage s'effectue tout simplement et que vous obtenez un trou parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez d'autres astuces sur ma chaîne.